comment faire pour utiliser plus d'énergie renouvelable ? Eh bien, on peut utiliser des choses qui ne consomment pas d'énergie, comme les vélos. On peut se déplacer en vélo. On peut aussi marcher, parce que marcher, c'est très bon pour la santé. Et on peut aussi, par exemple, vous pouvez dire à papa et maman d'acheter l'électricité chez des distributeurs d'énergie écologique qui fabriquent de l'énergie électrique grâce à des éoliennes, à des panneaux solaires et non pas avec des centrales qui polluent. Ben en fait, on l'a aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de soleil, y compris en Europe. Il y a des jours où on n'en a pas, mais il y a plein de jours où on en a. Et tous les jours où on en a, on peut avoir des panneaux solaires qui vont permettre de faire de l'électricité pour les panneaux photovoltaïques et d'autres qui vont pouvoir faire de l'eau chaude dans les maisons. Et ça, en fait, c'est très intéressant parce que ça lutte contre les changements climatiques, mais aussi c'est intéressant au niveau économique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a remboursé l'installation, eh bien, on va gagner de l'argent en n'utilisant pas d'énergie non renouvelable pour fournir l'électricité et l'eau chaude dans la maison.